Alors, les amis, êtes-vous prêts à écrire ensemble un tout nouveau conte d'hiver? Ouais! Parfait, parfait. Alors, commençons. Oh, celle-là était très drôle. Oh, et celle-là était très belle. Mais de qui va donc parler notre histoire? D'un dragon. D'une belle princesse. D'une ouvga. D'un ouvga? Non, d'un ouvga. Oh. Ou d'une jeune fille, peut-être. Et on pourrait l'appeler Clémentine. Ouais, trop bonne idée. Elle pourrait être à la recherche du Père Noël. Bah, pourquoi? Pour qu'elle lui donne sa lettre. Ok. Donc, si je résume, Clémentine va aller jusqu'au pôle Nord. Traverser le froid polaire. Affronter bon nombre de dangers. Et tout ça, pour remettre sa lettre au Père Noël? Bah, pourquoi ne l'envoie-t-elle pas comme tout le monde? Pas trop. C'est parce qu'elle est triste. Son papa et sa maman ne sont jamais revenus de la tempête. Elle est toute seule. Mais le pôle Nord, c'est très loin. Oui, mais il n'y a pas le choix. Sinon, elle sera toute seule à Noël. Alors, ouais, écrivons son histoire. Clémentine marche depuis des jours et des jours. Le froid lui gèle le corps et elle manque maintenant de nourriture. Le pôle Nord est encore bien loin. Elle décide de se reposer dans la grotte à côté. Une grotte. Une grotte. Vous êtes sûr? Pour se mettre à l'abri. Se mettre à l'abri, mais de quoi? D'une tempête de neige. Oh non! Oh non, pas la tempête! Mais la grotte, c'est la maison du grizzly. C'est quoi, Christy? Je crois que c'est une biscotte. Mais non, mais non. C'est un ours. Gigantesque. Et l'ours surgit d'un coup et essaye de croquer la Clémentine. Mais elle s'enfuit dans la tempête. Le vent souffle fort. Elle est courageuse. Elle a surtout peur. Elle pense à ses parents. Et soudain, une énorme bourrasque de vent l'emporte au loin. Soufflée comme un flocon, elle finit par rouler dans la neige. Épuisée, elle manque de tomber dans un ravin. Oh. Et autour d'elle, des yeux apparaissent dans la nuit. Le vent lui rapporte les cris de ces créatures de la nuit. Des loups. Les loups lui sautent dessus et l'emportent loin de la forêt des grands sapins. Et c'est tout? Ça finit comme ça? C'est pas terrible. Et ouais. C'est carrément pourri. C'est du moins ce que l'on pourrait croire, mais il n'en est rien. Les loups, en réalité, ont sauvé Clémentine. Car dans la nuit glaciale, le grizzly cherche. Maudit loup. Ok, mais les loups, il emmène où la Clémentine? À la gare Montparglace. Prendre le train qui s'en va au pôle Nord. Oh oui, vive le train sifflant. En route pour le pôle Nord. Thank you.
Elle a raison. Clémentine n'est pas seule dans le train. Il apparaît soudain, entraînant avec lui la tempête d'hiver. Je croyais pouvoir m'échapper. Le grizzly. Mais Clémentine a un plan. Elle entraîne l'ours sur le toit du train où la tempête éclate. Oh, pardon, belle Clémentine. Il est... Non, il est... tombé amoureux. C'est le coup de foudre. Tu crois qu'elle est morte? Non, non, je pense qu'elle fait semblant. Mais elle fait pas semblant, elle est tombée dans les pommes. Des pommes? Je vois pas de pommes. Moi, je préfère le nougat. Elle est jolie. Tu crois que c'est bien elle? Bienvenue, Clémentine. J'ai même pas eu peur. Je veux les chocos. Oh, Clémentine. Vive Clémentine. Oh. Oh, des histoires comme celle-là, il peut y en avoir beaucoup d'autres. C'est vous qui le décidez. Quand on écrit sa vie, on ne peut pas éviter les ratures. Mais avec du courage et une bonne dose d'imagination, on peut faire de son histoire une grande aventure. Mais après tout, c'est vous qui tenez la plume. Alors n'oubliez pas, vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Ah, moi j'allais oublier. Thank you.